L'année 2021 a été marquée surtout par la crise sanitaire, par le Covid. C'est une épreuve pour tout le monde que nous subissons encore. Je voudrais saluer la grande solidarité qui existe chez nous, entre voisins, entre amis, au sein des familles. C'est assez exceptionnel, c'est ce qui fait la force de la Vendée. Ça nous permet de passer cette crise un peu plus facilement. Et puis j'ai une pensée aussi pour nos jeunes, parce que c'est pas rien d'avoir aujourd'hui 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ces jeunes qui sont privés de liberté, je pense souvent à eux. Dans ce contexte un peu compliqué, la ville a continué d'avancer, évidemment, avec un certain nombre de réalisations. L'agrandissement de la maison de la petite enfance, également la réhabilitation de l'ancienne mairie d'Ardelais, l'embellissement de la ville avec deux nouvelles fresques et puis 6000 arbres qui vont être plantés, et puis la voirie, puisque nous avons un plan Marshall pour la voirie, et chaque année nous entamons des gros travaux. Et là, notamment, nous avons réalisé la rue du Brandon. Nous avons aussi inauguré le pôle solidarité Jeanne Briand au service des plus fragiles. Et puis aussi, nous avons embelli le Mont des Alouettes. Alors ça, c'est un vieux serpent de mer depuis longtemps, très longtemps. Le Mont des Alouettes devait être réhabilité et c'est chose faite aujourd'hui. Le grand événement et la grande réalisation de l'année 2021, c'est le cinéma, le grand luxe dans lequel je me trouve aujourd'hui. C'est une formidable réussite que nous avons menée main dans la main avec l'association Grand Écran. Alors, pour mettre un peu de baume au cœur aux herbretais, on a mis le paquet, si je puis dire, sur les événements. Les palpitantes, c'était nouveau dans les jardins de Coria, le chrono. On a eu la chance aussi d'accueillir le départ du Tour de Vendée, la fête de la musique, la traditionnelle fête de la musique, la saison culturelle, le marché de Noël, qui a été un véritable succès aussi dans les jardins de Coria, la parade, et puis la hotte, qui est devenue maintenant une grande course très renommée dans la France entière et même à l'étranger. Je voudrais vraiment saluer nos bénévoles, parce que dans ce contexte, on a plutôt envie de baisser les bras, et là on a eu des bénévoles extraordinaires. Je voudrais saluer aussi nos entreprises qui ont tenu la barre. Vous savez qu'on a un dynamisme économique, une notoriété économique aux Herbiers qui est connue et reconnue. Eh bien, nos chefs d'entreprise ont continué à développer leur entreprise, à innover, et ça aussi c'est exemplaire. Nous sommes bien sûr à leur côté parce que c'est grâce à nos entreprises, à nos commerçants, à nos artisans que nous faisons la course en tête et que nous allons continuer à faire la course en tête et à avoir le taux de chômage le plus faible de France. Je voudrais rajouter deux chiffres qui vous intéressent toujours et qui intéresse les herbretais. 135, c'est le nombre de naissances qu'il y a eu en 2021. Et puis 281, c'est le nombre de permis de construire que nous avons délivrés en 2021. Alors en 2022, nous allons investir 6,6 millions d'euros dans nos projets. Tout d'abord pour les jeunes, nous avons des écoles vieillissantes, nous allons faire des gros travaux de réhabilitation à Prévert, notamment à la cantine qui est obsolète, qui est trop petite, et puis à la métairie qui a besoin d'une grosse réhabilitation. Alors, pour les sportifs, trois gros chantiers. Tout d'abord, le terrain synthétique de Massabielle qui va être entièrement refait, des vestiaires du côté de la salle Mondière pour le club du RSA, et puis nous allons réhabiliter aussi l'extérieur de la salle de l'Amiral. Tous ces travaux que nous faisons dans nos équipements sportifs, ils sont importants, bien sûr pour le rayonnement de la ville, mais aussi pour les 7000 licenciés et les 45 clubs sportifs. Et ce n'est pas pour rien si nous avons reçu le label de la ville la plus sportive des Pays de la Loire, juste avant les fêtes de Noël. Parmi les événements festifs que nous aurons à célébrer en 2022, il y en aura beaucoup, mais un va marquer peut-être les esprits, c'est l'anniversaire du Chrono des Nations. Nous fêterons les 40 ans du Chrono. La vie quotidienne, ce sont plusieurs chantiers. Tout d'abord, la voirie. Nous allons continuer à réaliser de gros travaux, notamment la rue Georges Clémenceau qui relie le centre-ville des Herbiers à Ardelais. Puisque nous parlons d'Ardelais, les abords du donjon vont être aussi revus et corrigés, si je puis dire, avec une grande esplanade dès que nous aurons l'autorisation des bâtiments de France, c'est-à-dire dès que les fouilles archéologiques seront terminées. Nous allons faire des travaux rue Saint-Étienne. Alors nous allons continuer à développer la vidéoprotection pour plus de sécurité, un autre aspect de la sécurité et puis du bien-être aussi. Ce sont les pistes cyclables que nous allons développer dans le cadre de la communauté de communes avec deux pistes qui vont
concerner les herbiers. Une piste le long de la 160 à partir du rond-point de l'Atlantique direction La Roche-sur-Yon et une autre piste qui va relier la ville des herbiers à la commune de Saint-Paul-en-Paré. Et puis un autre gros chantier va s'ouvrir en 2022, c'est le pôle associatif très attendu rue de la Guerche, à côté du pôle solidarité. Alors, il ne sera pas terminé en 2022, mais au moins, on va commencer, au-delà de la réflexion, on va commencer un certain nombre de travaux. En 2022, sera signé le PLUH, le plan local d'urbanisme intercommunal avec le volet Habitat. C'est important pour la communauté de communes et pour la ville des Herbiers, bien évidemment, puisque c'est une vision de notre avenir à l'horizon 15-20 ans. Ce sera une manière de voir différemment, peut-être, le développement de la ville des Herbiers. Une nouvelle zone aussi intercommunale, une zone économique va voir le jour, elle sort de terre, c'est la zone Eco 5 et elle est déjà pratiquement remplie par nos entreprises, notamment des entreprises herbretées. Les finances de la ville des Herbiers sont saines. Et je peux annoncer aujourd'hui que la ville se désendette petit à petit. Pour vous donner deux chiffres très importants, 686 euros, c'est la dette par habitant aujourd'hui aux Herbiers, contre 1437 en 2012. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 6,6 millions d'euros, c'est notre capacité d'investissement pour l'année 2022. Nous avons trois grands enjeux, trois grands défis que nous devons relever pendant ce mandat. Le premier défi, c'est le logement. Il faut que nous construisions 150 logements par an, avec notamment des lotissements communaux, également l'îlot Saint-Jacques, au cœur de la ville des Herbiers, près de la Grand-Rue, l'îlot du Tourniquet, aussi au cœur de la ville, et puis un grand projet qui nous tient à cœur, du côté de la Thibourgère, réalisé par un promoteur privé. Ce sont 90 logements qui vont être construits et fléchés pour les salariés. Deuxième enjeu, deuxième défi, la démographie médicale. Oui, aux Herbiers, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un médecin. Donc nous travaillons là aussi main dans la main avec les professionnels de santé pour trouver des solutions. C'est pas évident. En tous les cas, nous, la ville, on a déjà investi cette question depuis longtemps avec le pôle santé Notre-Dame. Nous avons acheté récemment le pôle Avicenne pour y mettre aussi des professionnels de santé. Et puis nous accompagnons aussi les médecins quand ils ont des internes. Eh bien, nous avons loué un appartement pour que les internes puissent s'y loger en colocation. Le but de tout ça, c'est bien sûr que les internes restent le plus longtemps possible aux Herbiers, s'y trouvent bien et s'y installent durablement, c'est-à-dire deviennent médecins aux Herbiers. Donc, la radiologie tant attendue, ce cabinet de radiologie tant attendu, eh bien ça y est, il va sortir de terre. Troisième enjeu, troisième défi, le centre-ville, avec là aussi un certain nombre de chantiers. Nous avons le projet, ce sera un gros projet pour le mandat, de créer des nouvelles halles, un peu à l'ancienne, et que ces halles soient un véritable rendez-vous pour les herbretais qui remplacerait le marché Saint-Pierre avec des halles qui seraient peut-être ouvertes plus souvent, plus longtemps, avec plein d'animations. Là aussi, on est vraiment dans la réflexion. Et puis, autre dossier qui concerne le centre-ville, c'est le projet d'un pôle culturel. Ça, c'est dans le cadre de la communauté de communes, ce qu'on peut appeler aujourd'hui d'ailleurs une médiathèque. Nous avons l'intention de créer ce pôle culturel en centre-ville des Herbiers. Je voudrais surtout rendre hommage à mon équipe, parce que c'est compliqué, nous avons été élus maintenant il y a 2 ans, c'est compliqué dans ce contexte un peu difficile de trouver l'enthousiasme, la motivation, et je peux vous dire que l'équipe elle est formidable, elle est au travail et elle est très déterminée à mener les projets plus que jamais. Voilà, écoutez, je voulais tout simplement vous dire bonne année 2022, restons surtout optimistes, ayons confiance et espoir dans l'avenir. Soyons solidaires avec ceux qui en ont le plus besoin. Soyons fiers de notre identité, de nos racines, tout simplement. Vous savez, les Vendéens, ils ont toujours su rebondir, quelles que soient les circonstances. C'est ça notre état d'esprit. Et cet état d'esprit, nous l'avons particulièrement aux Herbiers. Donc, meilleurs vœux à chacun d'entre vous, du fond du cœur. Très belle année 2022.